bas, c'est quoi le nom? Ça c'est 5 années de l'année. 5 années d'année, yeah. Voyons donc, oui. Là où les rêves se réalisent, bienvenue à Montréal les amis. En plus quand il fait noir, là, les loups se mettent à sortir, là, tous les petits moutons, allez vous cacher, ciao. Hey, Dr. Love, yeah. Man I feel like Dr. Love, oh, oh. Dr. Love, yeah. Man I feel like Dr. Love, controller, come to that bitch, yeah. Dr. Love, controller, come to that bitch, yeah. Dr. Love, I sit in my smile on Snapchat, yeah. Dr. Love. Regardez le sourire, les amis. Là, j'étais en train de penser pendant que je suis au centre-ville, je vois plein de monde, c'est très fébrile. Ça me faisait penser, mon chum, là. Est-ce que toi, tu t'es déjà fait mettre tes plans à terre? T'es-tu déjà parti bredouille à cause de l'ami de la fille que t'aimais? Ou t'as déjà invité une fille, elle s'est pointée chez toi avec une foutue amie, puis là, grosse déception. T'avais investi un gros 30$, une grosse caisse de 24, mon chum. Puis finalement, elle se pointe avec une amie, mon chum. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je sais pas qu'est-ce que t'as fait. Par contre, moi, je sais ce que j'ai fait et je peux te dire qu'est-ce que tu pourrais faire. Je sais pas si ça va marcher pour toi. Mais je suis sûr que ça va être très bon, ça va t'améliorer. En tout cas, viens ici. On va chercher quelqu'un qui n'est pas trop au sud, qui n'est pas trop leur bête parce que jusqu'à date, là, c'est pas trop. Jusqu'à date, là, c'est pas trop fructueux, tu comprends? J'ai ciblé deux personnes, ils ont l'air de désaventurés. Pourquoi je te dis ça, là? Les lunettes, les gros caméscopes, les gros cossins avec les gros chapeaux, là, pis tout, là. Ah, you speaking? It is. Oh shit, yo, la gente, que lo que tú dices. Speak English, my English is bad, you know? Yeah. So, you know, yeah. ¿Y tú hablas español? No, no. Español. My name is Manny. Okay, where are you from, guys? Here. Here, but we spent a lot of time in Ontario. Okay, me too, I'm from here, but I don't used to come here, okay? My question was. Mon anglais, là, moi, là, j'ai une espèce de paquet de phrases prédéterminées. Ma question, c'était, là, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu as invité une fille chez toi, tu as tout préparé la soirée, sûrement tu as tout mis à plat, tu as allé checker un film, tu as acheté une caisse de 24, je sais pas trop quoi, tu as acheté de la cigarette, je sais pas trop quoi. Toi, tu as tout investi, un gros budget, tu t'attendais que ça, la soirée allait porter fruit. Et là, finalement, tu as tout préparé tout ça, et la fille, elle se pointe avec une amie. Who has that situation not happened? Exactly. If you're gonna get mad, but you know what? Tomorrow's a new day. Exactly. How you feel about it? Well, you know, you have every right to rage. You have every right to feel what you're feeling. But like in the end, like keep on smiling. You know, the next day's a new day. Close that door. That chapter's done. That story's done. Next, the next story, the next chapter is beginning. You know. So. Et c'est là où je vais en venir, les amis, tu comprends? Arrêtez de vous faire un paquet d'attentes, parce que plus d'attentes que tu te fais, plus de chances que tu as d'être déçu, tu comprends? Plus d'attentes que tu te fais, plus de chances que tu as d'être déçu. Garde le sourire, tu comprends? Hey, les amis. Yeah, I feel better today. I'll never call you babe, but I know you wanna stay.